Un tout petit bout d'Europe en Afrique. Au nord du Maroc, l'enclave espagnole de Melilla est l'un des deux seuls territoires européens, avec Ceuta, à partager une frontière avec le continent africain. Ce triple grillage de 7 mètres de haut, des milliers de candidats à l'immigration rêvent de le franchir. J'avais un peu d'argent, je l'ai caché, j'avais mon téléphone, je l'ai mis dans mon caleçon, attaché mes griffes. Arrivé maintenant, ils ont dit yalla, yalla, ça veut dire allons, c'est le moment. Donc les 200 personnes sont lancées. On court maintenant. Près de 20 000 Africains ont tenté d'escalader le grillage en 2014 et d'échapper à la police des frontières espagnoles. Une police accusée de violer la loi internationale en frappant les immigrants et en expulsant certains sur le champ. Ils blessent les migrants. Et puis aussi, ce qu'on observe, ce sont des mesures d'expulsion à chaud, sans la moindre procédure administrative. Simplement, ils ouvrent la porte de service de la barrière et ils rejettent les migrants. Certains risquent leur vie en voyageant clandestinement, en bus, en camion ou en bateau. La plupart veulent rejoindre d'autres pays comme la Grande-Bretagne, la France ou l'Allemagne. L'Espagne demande donc l'aide de l'Europe et en particulier une politique commune d'immigration. Les problèmes d'immigration de Melilla ne concernent pas seulement Melilla ou Nador de l'autre côté de la frontière et pas seulement l'Espagne et le Maroc. C'est un problème pour toute l'Union européenne. Ceux qui arrivent à franchir le grillage sont dirigés vers un centre d'accueil provisoire où ils attendent de savoir s'ils sont autorisés à se rendre en Espagne. Malgré des conditions d'hébergement précaires, à leurs yeux, c'est toujours mieux que la misère et la violence qu'ils ont laissées derrière eux. Ici, nous mangeons bien, on est tellement bien. Tout ce que nous on veut, on nous donne. On est bien. Depuis que je suis né, c'est la première fois dans ma vie que je me sens à l'aise. 2000 immigrants sont entrés à Melilla ces 12 derniers mois en franchissant le grillage. D'autres, bien plus nombreux, n'ont pas réussi, mais sont déterminés à réessayer. L'Union européenne doit annoncer en 2015 de nouvelles mesures de renforcement de ses frontières.